mieux comprendre leur physiologie, nous aidera aussi à comprendre comment elles se développent aussi facilement, et puis surtout eh bien, de leur valoriser, leur donner une seconde vie, les rendre utiles pour aller dépolluer un système aquatique ou pour en faire une chimie qui va réduire son empreinte environnementale. Le procédé est très simple, direct. On va mettre au four les parties aériennes qui ont été récoltées pour faire un traitement thermique rapide, assez sobre, qui va détruire une grande partie de la matière organique. Et on va se retrouver avec une composition minérale qui est extrêmement intéressante en catalyse chimique. Elle-même un éco-catalyseur, c'est-à-dire un booster de réaction qui va nous permettre de transformer une molécule simple en une molécule plus complexe. Life. 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 Life.